Madame et messieurs la famille, bienvenue sur plateforme pour la qui c'est plateforme YouTube 1804 Haïti Voix. Bienvenue sur plateforme Actualité. Alors même qui pour fait partie communauté ça, n'a invité à abonner sur vidéo ça même, les qui au fin abonné, tout peser petit cloche notification, retirer le sous personnaliser mettre le sous toute une façon pour qu'a toujours été connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Bien avant même nous entrer en dans votre maman information madame et messieurs, qui t'aime prendre soin pour me saluer chaque grand monde qui déjà fait partie communauté ça et en même qui fait tomber sur channel ça nous saluons Brésil, Mexique, Chili, Canada, États-Unis, Sénomène, Haïti chéri, nous c'est base là. Madame et messieurs, une autre fois encore nous comptons entrer la caillou avec même l'amour, même fougla et même détermination pour capable porter ba une nouvelle émission. L'important pour garder vidéo ça jusqu'à la fin. Sans plus tarder, n'a pas entré directement dans le développement information nous pour te pouvoir râler chez vous, monter volume, quelque part migrant pour cap dominer actualité nouvelle si là, nous pour te pouvoir. En attendant ensemble pour plus de détails. Hier soir, nous dans la localité Chalon, et bien, nous avons dormi avec un gros panique avec une grosse rumeur qui a circulé surtout dans le réseau, sur les réseaux sociaux, à partir de 9h, 10h du soir, après fait quoi que gagner ensemble de groupes de bandits qui envahissent zone en Chalon ou du moins pas qui t'a nan caché dans deux racks dans environnement zone en Chalon et bagay ça lui même dit après mettre un groupe panique dans niveau communauté à côté que tout le monde t'a pas demandé est-ce que c'est vrai il y a des messages qui a dit tout le monde a fait n'importe caillou il y a monde qui était t'a déplacé qui était caillou pour que elle dormir l'autre côté il y a deux citoyens dans zone nan qui ont même songé comment que Chalon lui-même a été avant et bien qu'il rapidement a essayé chef de brigade hier soir justement pour être capable de protéger zone avec un rumeur qui t'a fait quoi que gagner de monde à Zam Chalon que t'a pas capable de remarquer dans environnement zone Chalon. Une information que et à tout le monde que nous parlons qui parisi confirmer information mais toujours est-il que gain en pile inquiétude la police également lui-même a été obligé et à pied devant à penser que hier soir dans zone hier après hier soir dans zone Chalon c'est pareil également pour un commissaire en gouvernement Miragouane Jean-Ernest Amuscade lui-même qui était également alerté autour en deux questions si là et toute autorité qui autour de communes Miragouane particulièrement Chalon le moment où il était très vigilant bien tard hier soir justement pour connaître qui ça qui s'est gagné comme vérité autour de ça nous venons ensemble avec M. Léon vice-délégué arrondissement Miragouane M. Daniel Ployon qui lui-même est originaire de Chalon et également qui vit de Chalon et qui est très actif hier soir en cadre de brigade justement pour connaître et qui ça qui t'a pris le passé et est-ce que réellement c'est gagné ils ont quelconque monde à examen réellement qui est venu prendre Chalon dans ce qui souligne ensemble avec nous M. Daniel Ployon et bonjour. Bienvenue dans l'émission en matin et dis-nous jusqu'à présent comment que Chalon lui-même a vécu après que hier soir nous connaissons que nous passions une nuit de sous-tension. Nous saluons tout aussi que Radio Caraïbe et m'a dit nous bien vraiment hier soir en pile dans la télé, même qui était informé que il y a un groupe armé sur la zone là. Mais moi, ça me fait me alerter et la police, il parlait avec le commissaire Muscadet pour me dire que la population, je me traite de parce que nous avons des informations, nous avons une enquête sur ça, nous avons un thème pour nous permettre que la population dorme bien. Mais hier soir, il était dans la pile inquiétude, vraiment, mais moi-même, que nous connais ça, je me fait, mais je suis obligé dans la rue et communiquer avec quelques autres générations et la police pour permettre que nous mieux. C'était très peu de données, mais nous ne pouvons pas faire trop de propagande pour question ça, parce que à chaque fois, il y a une information sur la question de gang, il n'y a pas avancé plus loin. Nous disons, nous sommes gens, nous sommes diables, nous disons, parce qu'à chaque fois, nous disons, dans la zone Chalon, dans la Massolas, les ça, il va avancer pour plus loin. Dans ce sens, nous disons, l'autre monde de la population, quelque chose de Saint-Michel Fondenet, immédiatement, il faut qu'on ait les autorités pour les dispositions pour mettre les bandits en bas code, il y a avancé plus loin. Dans ce sens, on a dit tout le monde était mobilisé, quelle que soit la journée.
parce que nous avons sorti, nous avons acheté, quelque chose de nuit, informé nous, nous pas fermer téléphone nous pour nous permettre que nous jeunes informations pour nous partager avec notre autorité pour nous mettre main en bas et en bas mais bon dis ça. Monsieur Daniel, on n'a pas procédé sans délégué avec Sami Agwan. Est-ce que réellement nous avons de preuves que tu as gagné de monde à ZAM dans la communauté Chalon ou bien dans le parage Chalon réellement hier soir ou bien hier après-midi? Bon, moi-même directement, je parle avec lui, mais nous qui bonne information, non seulement c'est dans la zone côté où il est sorti, mais dans la zone de dimension, zone que nous connaissons bien, et qu'il y a plus d'espace vraiment, vrai, si pour dire qu'il y a caché, il y a caché parce que zone de l'Irak, ça a plus de tout, la dernière, ça veut dire que nous-mêmes, la population, et la population, c'est pour dire que c'est pour être bien information avec l'autorité, pas partager information dans la rue. Et puis l'autre monde qui a fait la réunion, l'autorité qui est dans la zone, ou bien notable qui est dans la zone. Pas peur, parce que pour nous, après le prendre, si nous avons un peu de temps dans l'air, pour nous permettre de nous faire bondir à peur. Mais le seul samedi qui est connecté, comme c'est le Sané, qui est conservé, nous a dit que nous ne parlons pas de mon peur, nous ne parlons pas de mon marron, il a pris des textes qui nous recommandent, nous, et je n'ai pas solution à ce problème-là. Je pense que l'important, c'est pour nous, nous n'allons pas faire cette chose. Les réseaux sociaux n'ont pas la gueule des produits pour ne pas permettre que les bandits oublient. Parce que les bandits, dans le temps, nous, les bandits sont sur tout. Les bandits sont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous, à chaque fois, nous partageons les informations. Soit côté oui, et les cas, mais je ne vais pas pousser pour plus loin. Mais ça, ça veut dire que tout le monde dans le département, à chaque fois, les gars disent, lui, c'est ça. Nous, salons, il y a traversé, il y a fait sur Anous. Il y a traversé, il y a fait sur Yacinthe. Et dans ce sens-là, nous avons tout le monde dans la population, le département du plan, pour être viatique, parce que bandit sur nous, et laisse à nous-mêmes, qu'on a arrangé nous, pour nous faire un commissaire de l'État de DIA, pour le département du plan, cimetière pour bandit. En tout cas, merci, puissant délégué à Antoine Yagwana, M. Daniel Antoine. En fait, c'est point ça qui lui-même qui est bien actualité à dans niveau Miragwan. Après ça, c'est ça qui est rapport ensemble avec l'immigration. Immigration dans niveau Miragwan, nous connaissons pendant un bon nombre de temps qui ou même ont ensemble de difficultés que l'immigration Miragwan lui-même n'a pas confronté. Dans un premier temps, c'était question matérielle et avec le temps, il y a ajouté deux et matériel justement pour permettre que des plus en passeport qui ont été faits, mais semaine qui se passe à la TV de Rongo, altercation entre immigration et baie de Miragwana qui loge presque dans le même bâtiment. Et à cause de ça, et bien génératrice qui est utilisée pour permettre que l'immigration fonctionne assez. Et ces génératrices en bête la périphérie, après ils ont mal entendu, et bien le directeur, il bête la lui-même, lui prend génératrice, il prend les génératrices ça, et ça t'a pas permis que pendant plusieurs jours, génératrice lui-même, il n'est pas capable d'utiliser pour l'immigration et pas capable de service dans le niveau immigration. Dans le moment-là, responsable d'immigration auprès de l'initiative, côté que nous installé un système en panneau solaire avec un batterie, et hier, un système dans l'immunité fine installé. Et hier, il a fait pour charger batterie et je dis à service à lui-même, il est supposé reprendre un niveau immigration Miragwana pour permettre que la population lui-même est capable de servir parce que c'est plusieurs centaines de monde qui chaque jour ont débattu Miragwana justement pour venir faire passeport parce que eh bien, la population lui-même est très, très, très accrochée avec un document ça. Depuis, métropole n'est pas Miragwana, James Saint-Jean-Louis pour Caraïbes. Merci James Jean-Louis et tout de suite nous allons rejoindre collaborateur non et Nixon Deneus depuis Saint-Marc. Robert Nixon Eli Lorveus Jacques Mel, bonjour Eli. Bonjour Lidmi, bonjour Pierre-Enel, Johnny, bonjour Guerrier, bonjour Dupuis à Conditer Caraïbes FM. Plus passé prisonnier qui fait maintenant en prison civile Jacques Mel là, dans impossibilité pour paraître devant juge naturel yo à cause mouvement grève association greffier yo avec magistrat de Bouyo. Doyen tribunal premier instance Jacques Mella, maître Homero Lenné, qui t'a réagi sur situation, dit le regrette, gouvernement pour qu'on joigne entente à Grévisio pour débloquer système judiciaire. Administrateur tribunal là, non, Jacques Mel, qui dit, activité yo paralysée dans juridiction Jacques Mella croit, bien nécessité pour autorité yo, non, pire au niveau l'État, continuer négocier pour remédier situation, pour éviter prisonnier yo, continuer qu'on ait calamité dans prison, pendant le PD en faveur, nomination, l'autre magistrat en dans juridiction. Pour marquer journée nationale, mouvement femme haïtienne, lundi 3 avril 2023, diverses activités réalisées dans ce pays. D'abord, dans la mairie Jacques Mella, il y a une atelier réflexion faite
pour évaluer la situation familiale sortie 1986 au bout de l'année 2023. Pendant l'atelier, ça, assistance a estimé qu'il y a quelques progrès dans l'île de Mio parce que familiaux ont droit à voter pour candidat. Mettez sur création ministère conditions femmes à droit femme. Il y a une initiative direction départementale conditions femmes à Nancy Desla, dans tête collée à l'organisation dépassée frontières. Il y a l'autre côté, dans la commune Caille-Jacmel, femmes décidées à Flore des femmes, réaliser une rencontre sensibilisation sur accès à la justice pour femmes. Accès à la justice permet aux femmes de défendre tête, les violer droit. C'est un baptême ça, brasser l'idée ça, réaliser toujours. Journée 3 avril là. Activité ça inscrit dans le cadre de sensibilisation femmes décidées à réaliser à travers diverses communes sud-est-là. Activité ça qui joint support avocats sans frontières dans le Canada, à café mondial dans le Canada. Ville Jacmel, Elilor Veus, Caraïbe FM. Si Elilor Veus, nous prenons Jérémy, nous prenons joindre confrère, nous prenons joindre plutôt correspondant permanent, nous qui c'est Frankel Maginaire. Bonjour Frankel.